C'est derrière la caméra. Encore une idée. Et il n'y a pas de salle de chorégraphie, on ne fait pas ça ici. Quand on a un peu. Il faut vivre sa partie de l'activité. Donc, ceux qui ont les appareils pour l'échographie. On connaît les gens. Et radiographie, c'est ça aussi. Après, tout installé ici à Zaroko. Il est quoi, Zaroko? Voilà, tout installé. Fait des Zaroko un centre. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Fait des Zaroko. Quelque chose de puissant. Il y en a qui sont venus de Londres. Il voulait même se balader à Zaroko. Voilà, Zaroko vit. Lui m'est levé la nuit là. Moi, il a envie de se balader à Zaroko. Oh, donc Zaroko vit maintenant. Nous avons fait des Zaroko. Zaroko a lieu de pèlerinage. Zaroko est connu dans le monde entier. Zaroko, de bébé, il est Zaroko. Dans le monde entier. D'ici le 5. Il y a des Camerounais qui arrivent. Camerounais, ils ont fait leur réservation, ils vont venir ici. Voilà, ils viendront ici. Ils sont en quête de délivrance. Ils viennent pour leur délivrance. Parce qu'ils savent que Dieu est ici. Ils savent que Dieu est ici. Avant, on parlait des funérailles. Les gens avaient peur. Quoi, ça mangeait tchétchera ici. Ça s'arrachait du blé. Placali. Et maintenant, c'est fini. Il y avait ce cas. Amen. Tous les vendredis, il y a un funérail ici. Pour le des funérailles, c'est veiller de prière. C'est ça, celui qui dit que Crasso n'a rien fait ici. Il est maudit. Amen. Tout est parti, le réveil est parti d'elle. Le réveil spirituel est parti d'elle. Attends, maintenant, ça n'a pas toujours été C'est parti d'elle. Et vous savez que ce n'est pas facile. Surtout pour affronter la sorcellerie, pour affronter les œufs de ténèbres, malgré les difficultés, malgré des menaces. Nous sommes dedans. Amen. Parce qu'il faut que les personnes aient la vie. Et là, quoi, pour nous, c'est ça notre combat. L'homme a droit à la vie. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour permettre à d'autres personnes de vivre librement. Amen. Donc, Zaroko, ça ne fait que commencer. Il y a beaucoup de choses dans le futur. Il faut que les gens soient prospères. Oui, parce que si Zaroko est délivré, il faut que Zaroko restante. Une cité. Amen. Notre combat. Depuis que nous sommes là, tout marche à Zaroko. Tout marche. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils sont en transport là. Et ils gagnent plus d'argent maintenant. Ils gagnent assez d'argent. Voyez ça. La présence de Dieu quelque part, c'est la prospérité. Nous prospérons. Même si les gens sont contre moi, ils sont jaloux. Dieu est avec moi. Moi j'avance. Amen. Moi je ne regarde pas. Je regarde pas ce que les gens disent. Mais je regarde la vie que j'apporte dans la vie des gens. Je regarde parce que c'est ça. Je dois être utile à Dieu pour apporter quelque chose dans la vie. Je sais que par moi, quand je suis dans les difficultés, je pleure devant Dieu. Et je dis, mon cœur est blessé. Parce qu'en retour, c'est la méchanceté. Et je lui dis, aide-moi. Et je me souviens que Jésus lui-même a vécu ça. Amen. Ça ne fait que commencer. Toutefois qu'il aura des dons, on les envoie ici. Notre prière, moi ma prière. C'est quand j'ai fini de dispenser, je serai content. C'était bien. Quand j'ai fini ça, je serai trop content. Je vois les femmes aller accoucher là-bas. Il y a un infirmier. Je serai très heureux. Et c'est une question de temps maintenant. C'est très bientôt. Amen. Si vous avez besoin d'aller à Divo, Amen. À Oumé, Amen. On va y apparaître. Amen. Donc tu m'entends bien. Zaroko a besoin d'appareils de échographie, radiographie, d'équipement, médicaments. Déjà même, j'ai reçu déjà des kits de médicaments d'accouchement pour les femmes. Oui. C'est déjà Abidjan. On attend la cérémonie pour donner ça au village du Zaroko. L'église. Moi, depuis que je suis ici, je vous ai montré une autre manière de voir l'église. Il y a ici, là. Il y a deux pasteurs, ils disent donne à il mange. Moi, je donne aux gens. Je viens dans le village, je paie à manger aux gens. Je viens dans ce village, je donne de l'argent aux gens. Il y a des gens, eux, ils mangent son si tu sais que le donner est bon, toi, tu dois être un modèle, un exemple. Vous dites aux gens, donnez. Et puis vous ne donnez pas.
Et toi, tu n'es pas dans la vérité. Si c'est ça qui est donné est bon, toi, tu dois être l'exemple modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Voilà, pas moi-même, j'imite Jésus. Voilà. Donc, si tu veux, ouais, le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain. C'est ça. Dans la nuit, nous sommes là. Parce que nous ne pensons qu'à vous. Comment faire pour vous aider? On vous délivre de la sorcellerie et met tous les moyens à votre disposition. Organiser tout ça, c'est de l'argent. C'est pas quelqu'un. Barétoscope, là, c'est mon propre argent. C'est pas quelqu'un. On va même demander aux gens de venir parrainer, ils ont refusé. Oui, ils ont refusé carrément de venir parrainer. Mais c'est mon argent. C'est pas quelqu'un, c'est mon argent. Et la semaine, le dimanche prochain, pour encore vendre l'image, pour montrer aux gens Zaroko, j'ai décidé de faire mon clip ici. Je ne suis pas contre vous. Je ne vais jamais être contre vous. Mais regardez ce que je fais. Jésus dit, mais si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres. Croyez à cause des œuvres. Depuis que je suis ici, quand vous regardez le temps, vous me comprenez que c'est l'évolution. Les choses ont changé. C'est ça la vie. Même si tu n'es pas d'accord, tu as les yeux pour voir. Les choses ont changé. Voilà. C'est notre prière. Vos enfants doivent devenir des cadres. Il y a des cadres. C'est ça. Il y a une génération qui s'en va. Une autre génération vient. La vie là. Il n'est pas fait d'improvisation. Tout se prépare. Tout se prépare. Nous voulons voir des cadres. C'est ça qu'à la rentrée, il y aura une opération qui sera menée. Pour aider les jeunes, les élèves. Amen. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est de donner. Et moi j'ai remarqué ça. Les gens me trouvent que je donne trop mon arrière. Mais je m'en pose d'argent. Quand j'ai des difficultés, Dieu me donne. Amen. C'est comme ça. Parce que Dieu sait que je suis une source de bénédiction. Il sait que quand il y a de l'argent, je ne mange pas seul. Donc, il donne, il met dans ma poche. Donc, il n'y a plus de donner aussi à d'autres personnes. Mais toi, tu refuses de donner. Donc, il n'y a pas de donner. Au contraire, c'est la difficulté. Vous savez, celui qui est avare, son argent va rentrer dans le vécu problème. Par contre, celui qui donne, Dieu sait qu'il est une source de bénédiction. Il nous donnera toujours. Il peut aussi donner à d'autres personnes. Comme Dieu ne descend pas du ciel, Dieu attend et d'utiliser les gens. C'est là qu'en donnant, il y a toujours une bénédiction. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour Zaroko. Et merci pour tout le canton Vata que tu délivres dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de préparer la relève du canton Vata. Nous prions encore pour les cadres. Nous te demandons d'étendre ta main, de bénir la jeunesse, de bénir encore ces jeunes enfants. Et Seigneur, débarrasse toute cette région du Vata, le canton Vata et la région de Divo, à partir de cette région et toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, de la présence de la sorcellerie. Et bénis-nous, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que c'est avec toi et toi seul qui peux nous bénir. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.